Allez, mais c'est tout petit. C'est tout petit ici. C'est ça qui est bon. Attendez, faut que je fasse une vérif de quelque chose. C'est bien ce qui me semblait. Alors attendez. J'ai failli faire une boulette. Ah, une magnifique boulette. Alors là, elle était monumentale, celle-là. Ben, j'ai failli activer la cam en fait. En voulant enlever mon écran de pause, ben, j'ai failli activer la cam. J'ai vu ton nom. Voilà. Non, c'est pas grave. donc non. Donc nous. Pardonnez-moi, mais vous n'avez vraiment pas le choix. Ouais. Qu'y a-t-il? Voilà.
mal. Qu'y a-t-il ? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider ? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent ? Surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité ? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. Désolé, mais j'ai entendu trop d'histoires comme la vôtre. Vous comprenez ? Moi-même, j'aurais du mal à y croire à votre place. Hélas, je dois m'en remettre à la générosité de mon prochain. Sûrement à zéro. Ah, donc bon, va lui donner quand même 5. Pourquoi tu me pousses ? Bienvenue. Bienvenue. Bon, bah, j'ai loupé un truc. Ah. Aïe ! Oh ! Bouge pas, reste là toi. Voilà. Enfin, je me suis pas fait un ami. Hein. Oh, il faut comme les Vikings. Non. J'ai pas de Vikings. Quand ils posent la personne sur le bateau et qu'ils vont mettre le feu au bateau. Vous pouvez encore renoncer. Je sais, mais ma décision est prise. Renoncer à quoi ? Amoureux avec lui. Ok. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche. Silence. Respectez sa décision. J'espère que t'as bien visé, mon grand. Ah ouais. Oh la pauvre, toute la pauvre demoiselle rousse. Elle méritait pas de mourir comme ça. Oh, Yennefer ! Bonjour, Yen. Tu es... Merci, c'est bon de te revoir. L'éloge commence. Le roi Bran du clan Tuircer, embarqué pour son dernier voyage. Vos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Ah. Ton parfum est en vent. Gérald, le moment est mal choisi. Ah bah mince ! Sont l'âme de Skellige. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi.
Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kaer Trold sont ouvertes à tous les amis de Bran, du clan Tuir Ser. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah. J'aurais bien envie de faire les trois décisions quand même, mais attention, j'utilise le choix. Mais non, il n'y a pas de mec qui tienne. Bah allez, moi j'ai fugué. Je ne t'ai pas vu depuis 2 ans. Je veux une petite cabane isolée, au bord de mer, et passer une semaine avec toi là-bas. Et que ferait-on pendant une semaine? Oh. J'ai tout un tas d'idées. Moi aussi. La corde dont tu te sers pour accrocher tes trophées me plaît beaucoup. Tu lis dans mes pensées? En effet. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Je peux rien. Je peux rien, j'aime bien Yen. As-tu découvert quelque chose à Velen? Je suis allé à Novigrad. Ciri y était passé avant moi. Apparemment pour lever une malédiction. Tu en es sûr? Jaskier m'a assuré. Je suis vraiment décalé en ce moment. Pourquoi tu dis ça en ce moment? Malédiction. Oui, mais je n'en sais pas plus. Elle a eu des ennuis et elle a dû quitter la ville. Moi, je pars en casa. J'ai trouvé un filet clair. Chercher un moyen. C'est pas grave. Je l'examinerai plus tard. J'ai fait route jusqu'à Velen. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Ciri a atterri là-bas. Blessé. Dans le château d'un soi-disant baron. Blessé? Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir. Parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a une maille à partir avec 3 sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi, Galen. Kera. Kera Mess? Que fait-elle dans ce trou d'air? J'ai failli la tuer même. Elle se cache des chasseurs de sorcières. Kera. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Ciri, moi aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Si tu veux. Et toi, tu as appris quelque chose? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Ardskellig. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique, une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon intuition me dit que Ciri en est la cause. Si, je l'ai laissé partir, mais j'ai failli la tuer en fait. Et Yorek, qui vient souvent sur les streams, m'a refait charger ma sauvegarde pour corriger ça. Plusieurs fois même. Sakasori est à la tête du cercle de Skellig. Je ne l'ai pas vu depuis. Depuis que Ciri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. Pourquoi Sakasori refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre? Sakasori et moi avons une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra à la veillée, d'accord? Et
Pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Tant pis pour notre cabane isolée. Raran Krait est un homme influent. Nous avons besoin de lui. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Mais tu veux pas me savonner le dos ? C'est bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, non. On croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Oh, mais elle m'envoie trop du rêve, hein. Bon, bah, faut que j'aille prendre mon bain. C'est bon, Yen, je suis lavée. Je peux venir ? Cornette, bienvenue! Comment vas-tu? Ah oui, elle envoie du pâté, Yennefer. J'ai pris mon bain, je peux venir, Yen, ou pas? Bon, j'ai pris un bain d'eau salée, mais... Ah, je suis quand même lavée. Ah, mais... Mais il y a toujours un long débat entre Triss et Yen, et puis non, mon choix, c'est Yen. À cause de ses yeux violets. Oh. Elle envoie trop du pâté. La meilleure épée, oh, bah ben non! Bah non, j'ai pris un bain. Ah, on va peut-être trouver quelque chose de bien. Non, je préfère Yen. Ah, vous allez pas me faire changer d'avis. Hein. Successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Mmh, je préfère ce violet. Dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant. Ouais, moi Yann aussi. Hein. Tu me présentes ? Je vous présente mon ami Gérald. Et voici Birna. Mon ami, plus et affinité. La reine-mère. Ravie de vous rencontrer, Gérald. Pardonnez-moi, mais je ne suis guère d'humeur à me lancer dans de longues conversations ce triste jour. Je vois que tu as choisi ta propre tenue. J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour l'occasion. Chacun son style, ma chère. Ok, elle m'envoie balader. C'est pas grave, non ? Point, j'en suis. J'ai horreur des funérailles. Je sais, tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite et d'être téléportée. Il faut parfois se... Plus je te repousse, plus tu m'attires. On devrait s'améliorer.
Vassou, on ne pourra plus leur parler. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que veut croire, mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair. Non, non, mais c'est... Pourquoi je t'aime moi non plus avec Yann et Gérald. Tu essaies de me faire rougir, Gérald? Non, je dis juste ce que je pense. Alors, en plus ça récupère. Oh, ce boule. Bah, je suis allée chez le barbier avant de venir. Ça te va plutôt bien. Bah, elle est où la licorne? Bah oui, mais j'y suis allée. Je sais pas où elle habite, moyenne. Elle n'a pas marqué chez Yen, hein? Ah bah, si vous voulez, je vais à l'auberge. Si on me dit pas qu'il faut que j'aille chez Yen. Je crois vraiment que j'ai mis cette robe pour impressionner les potes. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Comme tu voudras. Tu seras bien aéré. Retrouve-moi à l'entrée du temps. Eh ben, je me doutais qu'il y en a... Pardon. Non, c'est pas... Tu l'as dit une fois, la licorne. Tu m'en as parlé hors stream, même. Tu as une licorne. Elle doit sentir la groseille de Lila, c'est ça. Oui, t'as dit ça, mais t'as pas dit pourquoi. Puis je pensais que c'était obligatoire, moi, de se changer. Bah merde. Je peux pas y aller. Oh non, ça va. Ça doit être la chambre de Yen. Elle a toujours eu besoin d'espace. Oh, de luxe. Salut toi. La licorne empaillée. Elle l'a réparée. Non mais c'est bon. Je peux rentrer. Qu'est-ce qu'elle va faire avec sa licorne empaillée? Moi aussi, je veux une licorne. Pas une ablette, hein. Une licorne. Lila et Grosé. Un parfum de séductrice.
Ses goûts n'ont pas changé. Bah, j'ai examiné la licorne. Tiens, la licorne empaillée. Elle l'a réparée. C'est pas combien. Elle a dû louer un galion pour transporter tous ses vêtements. Noir et blanc. Comme d'habitude. Y'a qui chez INFR? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Bop. Va pas de licorne. Alors... Niveau 24. Ah, j'en ai stocké du bordel. Heureusement que les réserves sont illimitées, hein. C'est plus grand intérêt qu'à l'extérieur. Dommage qu'on peut pas tout transférer d'un coup. On gagnera du temps. Ça pèse rien, Lily. Il y a autre chose à faire chez la Miss. Pas voir ça des jolies licornes. Dis-moi, Yennefer, tu fais quoi avec tes instruments de torture? Bon, on va être poli, on va se changer. La source empoisonnée est partie, ça y est, de vrai. Des choses. Une source d'inspiration inépuisable.
Bon, on y va, hein. Oh, sa casse-souris. Écoute, sorceleur. On a un problème de muir diablène. Des noyeurs, quoi. Du genre qui résisterait pas à ton épée en argent. Laisse-moi deviner. Ils déchirent vos filets, boulotent vos prises, attaquent un marin de temps à autre, ou un type qui rentre de la taverne en passant par la grève. Si c'était que ça. Les terreurs de la baie sont plus vicieuses que celles du continent. Elles chassent nuit et jour, s'en prennent aux guerriers comme aux pêcheurs qui n'ont qu'une rame pour se défendre. La mer rend les premiers, armure en loque, tripes dévorées. Étrange. Il y a des témoins ? Rurik, mon apprenti. Il était à bord quand les muirs d'Yemlen ont attaqué un bateau. Et Tov aussi. Son homme a été tué. Elle vit près d'ici, à l'écart. Désolé. Je ne viens pas d'autre nom. Ceux qui croisent les monstres, ben en général, on les revoit pas sur la terre ferme. Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. Trop cher, sorceleur. T'abuses, là. Trop cher, sorceleur. Non, mais t'abuses, là. Trop cher, sorceleur. Trop cher. Mais toi, t'es pas trop cher. C'est pas donné. Mais ça vaut peut-être le coup. T'es d'accord. Ouais, des fois, ça... J'accepte. J'ai souvent eu affaire aux noyeurs. Ce sera vite réglé. Tu as ma parole. Je me demande s'il est aussi fort que moi. Bon. Ça va plus vite. Ou pas. Bon, rien à faire. Pas mal, ça. Hier soir, c'était... Voilà, j'y suis. Un peu plus, je l'oublie, quoi. Quel train. La mienne est Bonjour, Arnvald. Je vous présente Gérald Dorid. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour moi. Les invités sont venus nombreux, à ce que je vois. Ils sont venus rendre hommage à leur roi. Et voir le prétendant à la couronne, bien sûr. Nous voudrions parler à Kraharnkrit. Le Jarl nous rejoindra très bientôt. Il vous a réservé une place d'honneur à sa table. Et de sa fille, Céris. Suivez-moi, je vous prie. Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Roux. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié. C'était il y a des
Kalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite. Mais permettez-moi de vous présenter aux convives. Voici Albjorn, fils d'Holger Manois. Lugos Labeigne, fils aîné de Lugos le Dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Otriganinda. Pardonnez-moi. Je me souviens de notre rencontre il y a des années, mais votre nom m'échappe. Zerisanti. Son père Kra, son frère Hjalmar. C'est la fille d'un Jarl. Prends bien le passe. Ceris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Il y a eu un bug là, d'affichage. L'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Hjalmar? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud, au coin du feu. J'avais mes raisons. Sinon, j'aurais gagné, comme je gagnerais encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Hjalmar n'est pas là. Mon frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non? Si le sorceleur est d'accord. Gérald? Ah, ouais, si tu veux. Avec plaisir. Pas fait gaffe. Quelles sont les règles? Le premier qui retire la hache de Hjalmar de la souche au sommet de la colline gagne. Si vous quittez la piste, vous avez perdu. Enfin un peu d'action. J'étais sur le point de vomir d'ennui. Allons-y. Voilà le point de départ. Il faut atteindre le sommet de cette colline. Une fois là-haut, vous verrez la hache de Hjalmar enfoncée dans une souche. Le premier qui s'empare de la hache a gagné. Je suis prête. Vous partirez à mon signal, quand je sonnerai le cor. Vous avez quelques pièces, Lugos? Ah, mais après, une fois que je me dis que mon entraînement sur Tomb Raider m'a servi à quelque chose. Mais juste pour une fois. J'ai gagné. Mais de rien. Vous avez gagné, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai perdu. On ferait mieux de rentrer maintenant. Rentrons. Même sur Horizon, cet entraînement m'aurait servi, mais bon. Faites pas son plein, ce que je vois. On vous a perdu tout. Qui a gagné? J'ai perdu. Perdu contre un sorceleur, les gars. Il n'y a pas de honte à ça. Je peux parler, buvons un coup. Oui, je veux bien, parce qu'elle est rouge. De
devrait boire sans moi ce soir. Désolé. C'est pourtant l'occasion ou jamais. Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser. Vraiment? Vraiment. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte. T'es pas obligé de me pousser, Miss Yennefer. Avant de continuer, Alco, j'ai une question. Tu termines le jeu à quel niveau à peu près? Ou même, s'il y en a d'autres qui ont déjà fait le jeu, est-ce que vous terminez le jeu à peu près à quel niveau? Ouais, t'es en 77, j'avais compris. Un sorceleur. Gérald, voici le Jarl Donar an Indar et le Jarl Lugos le Dain. Jarl, c'est le seigneur. Lugos n'est pas dingue, il est fou allié. Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui. Si tu m'as perso, j'ai pas fini, j'ai fait les DLC avant et j'en suis le 48. J'ai pas les DLC. Mais je préfère poser la question quand même au cas où. Mais c'est pas vous, les gars. Ah, j'en suis loin. Oh là là. Allez régler ça dehors. Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Un homme bien éduqué. Vous insultez la mémoire de Bran et l'hospitalité de Prah, monsieur. L'empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi. Ah, mais sa majesté impériale est la bienvenue. Oui, qu'il vienne. Personne ici n'a peur de ces escadrons. Piller des villages sans défense, c'est une chose. Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre. Elle a une grande gueule, celle-là. Retournez tout. Te permets pas de lui parler comme ça, autrement je t'en colle une. Vous savez quoi, Lugos? Finalement, j'ai bien envie de vous les faire ravaler, vos règles d'hospitalité. Ah, enfin, on va s'amuser. J'ai bien un coup que j'allais venir dans lui. Allez, monstre. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Poussez les bancs. Va y avoir de la bagarre. Ah merde. C'était pas la meilleure idée là. Et j'ai pas sauvegardé. Oh non, c'est passé. Ça vous suffit? D'accord. Vous avez gagné. Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête. Je tangue comme en pleine tempête. Bien. Excusez-vous auprès de la dame. Nous en resterons là. N'en voulez pas, madame. Je suis convaincu qu'on a besoin de magiciennes. Et pas comme. N'y pensez plus, c'est déjà oublié. Comme vous dites, c'est oublié. Serrez-moi la pince sur cela. Vous m'avez mis une sacrée belle raclée. Trinquez avec moi sur cela pour sceller notre amitié. Et je insiste pour que vous passiez me rendre visite. Yorund me rabat les oreilles avec son histoire de phare hantée.
Faites-moi une fleur. Allez le retrouver à la taverne d'Arimbjorn. C'est un saut de puce de chez moi. Il n'aurait qu'à passer me voir. On descendra un vrai tourboyau. Non, j'ai prévu autre chose. Prochaine rencontre. Avec plaisir, Lugos. Je vais boire à votre santé. Haut les cœurs et haut les coudes, Gérald. Yennefer et moi acceptons avec plaisir. À votre santé. Pardonnez-nous, mais nous devons discuter avec d'autres invités. Il a dit que la madame était pas jolie. Hein. D'aller visiter le laboratoire de Sakasuri. Je n'ai pas reçu d'invitation. Oh, mais moi non plus. Non. Sakasuri est absent, j'imagine. En effet. Et je peux connaître le but de cette petite visite? Nous cherchons un objet, le masque d'Ouroboros. Nous en aurons besoin. Gérald. Non mais j'avoue, je le sentais pas, la baston. Je te le dirai, mais en temps voulu. Et c'est toi qui décideras du temps voulu, j'imagine. Attends, Yen. Voilà. On m'a vendu du rêve. On m'a dit que j'allais voir encore une licorne. Quoi, aller sur la licorne? Eh ben non. C'est quoi cette arnaque là? Puis moi je voulais sentir ton parfum. Oh, c'est quoi ce boulot là? Bah quoi, on me vend du rêve? Alors vous m'étonnez que... Bah non, mon quai est pas fini. Faut que j'aille chez Sakasuri. Ou trou de souris. Ok. Chez Sakasapin. Voilà, j'ai trouvé son nom. Bonjour Dark Moon, comment vas-tu? Oui, je me bats comme un sac. Un dîner mondain. Oui, je sais, on m'a pas pris les bonnes manières. Oh. À l'époque. Bon, avance, joli Yennefer. Je l'ai déjà lu celui-là. Des bruits de pas.
Oh la merde. Tu veux que je t'emmène bosser? Nos pépis, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Sa croasse. Le faisan criaille, la grue glapit et le paon, lui, braille. La pie jacasse, l'alouette grisole. Darkmoon est plus âgé que toi, Alco. Il me semble. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. Moumoun. Je suis plus jeune. Je suis de 92. Ah oui, t'as l'air d'être choqué. Appelle la... Non mais tu te fous de moi? Peine l'âge de stream, non mais... Non, non, il y a des jeunes de 14-15 ans qui se mettent à stream. Et des Call of Duty et tout ça. Hein. C'est la soirée des surprises. Voici Corbeau. Ce sont les espions de sa personne. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Oh, je sais que tu taquines. C'est également une aura magique. Cornaille. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. J'ai toujours rêvé de faire ça dans la neige. Je la sorte celle-là. Déjà vu plus moche. Non, j'avoue que la vue, elle est magnifique. T'abuses! T'as pu me prêter ton portail, Yennefer. Bah non. Attends, on a que 11 ans d'écart. J'ai l'âge de ton gosse, ouais, on a 11 ans d'écart. Enfin, techniquement, oui, c'est possible, mais techniquement... Oh, bah oui, mon pauvre. Non, mais faut le dire, moi, je t'emmène bosser, hein, si tu veux. Pas un problème, hein, je suis en vacances. Salut Aurel, comment vas-tu? J'avais le même à Kermorène. Oui. On drague Yennefer, on veut faire des choses dans la neige. Mais elle n'est pas encore partante. Ils sont vivants. Yen, attention.
Oula, c'est pas mieux ça. Ils s'approchent, je les sens. Non mais j'ai pas fumé. Faut arrêter la drogue là, mon petit Geralt. La drogue, c'est mal. Si, si, la drogue, c'est mal. Mais c'était de la bonne. Hein. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de sa cassourie. J'ai dû intervenir. Après que c'est mal, vous voyez bien. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kaer Morhen ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Tu m'étonnes. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons, Geralt. Je vais verrouiller l'entrée. Autant ne pas éveiller les soupçons. J'ai la drogue, c'est mal. Tu m'emmènes dans ton portail, Yen? Et voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Le masque de Roboros, c'est certainement ici. Oh. Le monde merveilleux des insectes. Plante de cérémonie. Bizarre. Il y a aussi Raymond Marlowe, biographie revue et corrigée. Yen, attends-moi! Sur la chasse sauvage. Je suis en 80. Ah non, 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 non. Mais tiens, pour 80. T'as pas l'âge de stream, alors. Imagine, 93. C'est pire. On vogue sur un navire construit avec les eaux des noyés. C'est pire. Un crâne d'enfant. Oh le pédophile. Oh le pédophile. Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles. C'est sans intérêt. Oh le penseur de Rodin. Ah non. Sa cassoule doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi? Si je perds la tête. Et pourquoi pas un crâne? Oh. Moi aussi, je perds la tête. Non, j'avais pas fait gaffe. Oh, fais gaffe. Il faut autre chose. Je dois continuer à chercher. Alors, si t'es Capricorne, tu dois être soit de décembre ou soit de janvier. De l'hydromel nain, triple dose. Les poissons, c'est mars ou février. Une pipe. Sa cassourie fait importer du tabac du continent.
pipe. Sakasuri fait importer du tabac du continent. Comment dire que... Que Sakasuri fait des choses bizarres.